dis-moi si tu sors avec Gilles. Attends, c'est comme ça que tu veux gâcher ma vie. Elle est toujours en contact avec son ex. Je sais qu'il a bloqué Cercas. Toi, tu sais qu'il a bloqué. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est quoi ça? Parce que quand on était parti, je lui ai demandé son téléphone. Elle m'a remis son téléphone. Bizarrement, son WhatsApp était verrouillé automatiquement. J'ai fait tout, je l'ai présenté un peu partout. Tous mes amis connaissent la juge. Mais voilà ce qu'elle m'a payé. Bon, j'étais chassé de chez nous. Ma mère m'a chassé pour cette fille. J'ai passé des nuits à la Belle Étoile. Moi, j'ai souffert pour cette fille. Voilà, salut à tous. J'espère que vous allez bien. C'est le vote Yafifi. Comme vous le voyez, depuis un moment, il y a beaucoup de comptes TikTok créés. Il y en a beaucoup que je ne connais pas, c'est pas moi. Les Combes et le Piret qui sont en train de demander de l'argent aux gens, ils font des cagnottes que je ne connais même pas. Aidez-moi s'il vous plaît à faire mon... Déjà j'ai des problèmes sérieux avec la vidéo, avec le riche. La vidéo date il y a 6 mois passé sur YouTube, on avait déjà un certain problème pour la diffusion de cette vidéo. Et vous verrez que j'ai déjà supprimé la vidéo sur la chaîne. Donc, il y a des gens, en tout cas mal intentionnés, qui mettent des vidéos sur TikTok. C'est pas mauvais, vous mettez mes trucs sur TikTok. Mais dès lors, maintenant, je commence à recevoir des appels où les gens me disent, il y a une cagnotte, son nom est riche, il y a des gens, il y a un groupe WhatsApp. En tout cas, ça me met maintenant mal à la tête. Et vis-à-vis de cette vidéo qui date déjà, et c'est un sérieux problème. En tout cas, aidez-moi s'il vous plaît, les amis. Mon compte TikTok, c'est... Oui, il est mentionné, test de fidélité 243. C'est mon compte, j'ai dit contient compte privé à Fifi Firenze et c'est lui qui met test de fidélité 243. S'il vous plaît, aidez-moi. Donc j'ai déjà assez de problèmes comme ça, je ne vais plus avoir un autre problème pour le test de fidélité. Merci beaucoup, c'est Yafi. Banuta pas banabasi dans ma vergeture à tempo moi même soit à pémé ma casse à ma boucle au boulot ils ont révisé la noire ma mouille n'a pas genou rien ma mère beaucoup moins moi difficulté là t'as moi qui l'autre parce que ma mouille c'est 4-4 jours et ça la banuta est au beau diamant. Voilà, salut à tous, salut tout le monde, c'est votre show Test les fidélités, vous nous suivez de partout et on vous salue depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous c'est les Tests des fidélités, votre programme préféré, vous êtes partout, vous nous suivez, merci beaucoup à nos amis ivoiriens, camerounais, sénégalais, togolais, vous êtes tellement nombreux, béninois. Vous nous suivez, vous êtes dans les Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, vous êtes presque partout en Afrique, vous nous suivez, que ce soit en Afrique ici, dans des pays non francophones. Merci pour vos messages, on demande toujours de beaucoup partager nos émissions, nos shows. Voilà, vous avez vu là, il y a, je pense, 2 semaines comme ça, il y a une émission qui s'était passée. Je crois que vous allez voir l'extrait en description, vous avez vu, où il y avait un couple qui s'est vraiment mal terminé. Vous demandez toujours la suite. Je le dis toujours que voilà, nous ne sommes pas là pour séparer les gens. On essaie un peu d'éduquer les gens à rester fidèles avec leurs copines. On a cherché pour vous la suite de l'émission. Mais nous sommes aujourd'hui avec juste l'homme qui est à côté. Je pense que Moses peut nous aider à ouvrir les champs. Et voilà, ça se passe bien. Salut mon cher, ça va? Ouais, tranquille. Tu vas bien? Un peu bien, oui. En tout cas, c'est un plaisir pour nous que tu aies accepté notre invitation. Bien que c'était un peu, tu ne voulais pas, mais tu t'es décidé de venir. Une question d'abord qu'on demande souvent, est-ce que tu as eu les retours, bien les échos de la première vidéo? Les gens ont vu ce qu'ils te connaissent? Ah ouais, il y a eu des gens qui me connaissent et puis il y a eu des gens qui connaissent notre relation.
Déjà, ils m'ont écrit et puis un peu partout, ils m'ont conseillé comment surmonter tout ça. Ouais, ça n'a pas été facile, mais on est là. En tout cas, on fonce par la grâce de Dieu. Okay. Espérons que ça va passer. D'accord. Mais la plupart des gens, leur opinion, c'est quoi? Ils disent quoi? Que tu arrêtes. Bon, déjà, la première personne qui est tombée sur la vidéo, c'était mon petit frère. Il est tombé sur la vidéo. Il m'a appelé, on a parlé. Et puis, sa première question était de savoir qu'est-ce que maman t'avait dit. C'est ce que mon petit frère m'a dit. Qu'est-ce que maman t'avait dit? Okay. Bon, c'était le choix du cœur. J'avais fait mon choix. Et puis, c'est compliqué, Fifi, c'est compliqué. Ah, en tout cas, je sais que c'est compliqué. Hein? Tiens le coup, essaie de nous expliquer un peu. C'est que moi, je veux savoir en ce moment, ou bien dans la position actuelle où nous sommes, quel est l'état de votre relation actuellement? Vous ne voyez plus ou comment? Bon, depuis ce jour-là, mm-hmm. quand on était parti, mon ex-petite amie, laissez-moi l'appeler comme ça. Maintenant, elle est une ex. Ah ouais, maintenant, en tout cas, c'est mon ex. On a parlé, et après, ce que j'ai découvert d'ailleurs est plus mal que. Qu'est-ce que vous avez vu sur son téléphone? Je suis allé voir tous ces gens-là. Je suis allé voir Gilles. Gilles, que moi je croyais était en Afrique du Sud. Je suis allé voir Gilles. Et tant que deux hommes, on a parlé. Je lui ai expliqué. Et puis c'est lui qui m'a d'ailleurs fait comprendre comment est-ce que cette fille jouait à la maligne, la Fifi. Si maintenant là je vous dis que mon ex-petite amie, la J est enceinte. Elle est enceinte. Et c'est Gilles qui est au courant de sa grossesse. Avant. Okay. Oui, avant moi. Il y a une musique qui passe, donc voilà. Tu me dis, si je comprends bien, parce que j'ai vraiment eu mon temps de te suivre, après ces moments. Après ce qui s'était passé, vous étiez rentré, tu es allé chercher Gilles, qui est le gars qui est venu de l'Afrique du Sud. Ouais, vous ouais. êtes vu, tu es allé à sa rencontre. Ouais, j'ai son numéro. Ouais, tu avais dit l'autre fois que vous parlez avec Gilles. Ouais, ouais. Vous vous êtes vu. On s'est vu. Donc, si je comprends bien, Gilles, qu'est-ce que Gilles connaissait de vos relations? Parce que avant, tu avais dit, il t'a présenté Gilles. Maintenant, Gilles te connaissait tant que qui? Te connaissait tant que son petit ami ou comment là? Gilles me connaissait comme son collègue d'université. C'est comme ça qu'il t'a présenté chez Gilles? Comme ça, ouais, ouais. C'est comme ça. Et puis moi, il m'a dit, et elle m'a dit que Gilles était son ami. Ok. Donc, est-ce que vous comprenez comment... Je comprends pas, Joudon, que toi, tu es son collègue et son ami comme ça. Donc, vous parlez seulement comme ça. Ouais, on parle comme ça. Et puis voilà, on parle. Je suis allé, j'ai appelé Gilles. Et Gilles m'a dit... que la J est enceinte de lui. Lui qui revenait récemment de revenir du pays est enceinte de donc. Elle est enceinte de Gilles. Il paraît d'un mois et puis quelques jours. Gilles d'ailleurs s'est préparé pour aller voir sa famille. Et puis il y a même sa famille qui connaissent qu'elle est enceinte de Gilles. Donc, si elle est enceinte de Gilles, parce que Gilles ne vivait pas ici, c'est là sous-entend que Gilles était venu bien avant. Oui, Gilles était à Kine depuis tous ces temps, pendant tous ces temps que j'ai parlé avec Gilles. Donc, quand on a vu le message, donc, certainement qu'elle a enlevé d'autres messages, Gilles était déjà à Kine. Oui, Gilles était ici à Kine. Gilles était ici à Kine, parce que, en fait, moi je me suis dit, bon, si tu es à Kine, ça fait combien de temps? Gilles m'a dit, moi je suis là il y a 3 mois déjà. Donc, pendant que moi j'ai. Je savais qu'il était en Afrique du Sud, Gilles était ici à Kine. Ils se voyaient, ils passaient des nuits ensemble. Et puis, ce qui est sûr, c'est que cette fille, n'a jamais voulu qu'on passe la nuit ensemble. Elle n'a jamais voulu que vous passiez la nuit ensemble. Même si je suis endeuillé, la fille, si elle vient à 20h déjà, après 1h ou 2h, oh non, bébé, je vais rentrer, tout ça. Donc, si elle quitte de chez moi, directement, elle est chez. Chez Gilles. Donc c'est comme ça que. Pendant tout ce temps, vous étiez ensemble, elle n'a jamais voulu accepter que vous passiez même une nuit ensemble. Elle n'a jamais voulu. Elle ne prend jamais son téléphone au premier appel. En tout cas, avant qu'elle me réponde, je dois au moins essayer
de l'appeler si c'est P, c'est 3 à 4 fois. Et puis du coup, elle me dit toujours, mais je te rappelle, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Comme d'habitude, les femmes nous roulent. Comme d'habitude. Donc moi, vite fait, je me suis dit peut-être qu'elle... Parce que même là, la Fifi, je vous dis qu'elle n'a pas cette magie, peut-être. Okay. Qu'elle n'a pas Gilles, peut-être. Parce que quand on était parti, je lui ai demandé son téléphone. Elle m'a remis son téléphone. Bizarrement, son WhatsApp était verrouillé automatiquement. Elle a verrouillé son WhatsApp automatiquement. Lorsque vous étiez rentré, oui. Tu as essayé de voir son téléphone, d'échanger. Elle a verrouillé son WhatsApp automatiquement. J'ai pas compris. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas pu accéder. Ouais, pourquoi tu me fais ça? D'ailleurs, là, je ne suis pas en bon terme avec ma mère. Okay. Parce que c'est elle qui, déjà au début, elle avait refusé. Mais vu que voilà, des fois on dit que l'amour est aveugle, là je l'accepte. Je l'accepte. J'ai suivi cette fille. Je me suis donné chair et os pour rendre cette fille heureuse. J'ai fait tout ce qu'un homme peut faire. J'ai même pris mon argent des frais académiques de G3. J'ai donné à cette fille pour son anniversaire. J'ai fait tout. Je l'ai présenté un peu partout. Tous mes amis connaissent. La jus. Mais voilà ce qu'elle m'a payé. Bon, moi je me dis, c'est l'habitude de toutes les femmes. Ouais, toutes les femmes, elles font la même chose. Parce que là, elle a brisé mon cœur, elle a vraiment ruiné mon avenir. Tout ce que moi j'ai pensé pour elle, elle a ruiné mon avenir. C'est pas facile, je sais que c'est compliqué. Sois fort, comme c'est toujours interdit de pleurer ici, sois fort. La J, tu nous suis, en tout cas, tu me dois des explications énormément. Tu nous dois, hein? Non, c'est pas important, elle est partie. Elle est partie, ouais, c'est bon. Elle est partie. Et puis là déjà, elle est enceinte, Fifi, elle est enceinte. Qu'est-ce que moi je ferais? Même si mais pour tu n'as pas eu quand même le temps de parler avec... Quand tu as su ces choses chez Gilles, tu n'as pas encore eu le temps de la voir comme ça? Non. Tu n'as pas vu. Non. Même l'histoire qui... Elle est enceinte, tu ne lui as pas encore parlé de ça. Non. Je ne lui ai rien dit. Okay. Je ne lui ai rien dit. Parce qu'on n'a pas parlé. Moi, j'allais réellement voir si réellement elle sortait avec Gilles. Ok, je comprends. Vous voyez, j'allais voir ça. Et puis, ce que j'ai vu est plus scandaleux. Cette fille n'est pas sérieuse. Jeune que je suis. J'ai mon avenir, j'ai ma famille, j'ai mon père, j'ai ma mère. Okay. Je me suis donné corps et âme pour cette fille. J'étais chassé de chez nous. Ma mère m'a chassé pour cette fille. J'ai passé des nuits à la Belle Étoile. Moi, j'ai souffert pour cette fille. Elle a été opérée. Moi, j'ai passé 2 semaines avec elle à l'hôpital. 2 semaines, seule. Si je quitte l'université, je viens la voir. Tout ce que j'avais. Et puis, moi-même, j'ai accepté de faire le pied depuis Upen jusqu'à Mongafula pour elle. Juste pour passer la nuit avec quelqu'un. Elle a été opérée. Et puis c'est comme ça qu'elle me remercie. Je sais que tu m'entends, je sais que tu me vois. La J, je sais que tu me vois. Ce que tu as fait de ma vie, tous ces pays ici-bas, ce que tu m'as fait, ce que tu as fait de ma vie, tu as ruiné ma vie. C'est pas grave. En tout cas, désolé. La J, tu nous as suivis. Tu as suivi l'émission. En tout cas, nous n'avons rien à commenter. C'est vraiment fort. C'est les femmes pensaient aussi à nous. Comme nous aussi, nous pensons à vous. Moi, c'est bon. On s'est aimé en face. Cherche-moi, quitte-moi en face. Dis-moi que tu ne veux pas de moi en face. Parce que tu es enceinte. Qu'est-ce que je vais faire? Cherche-moi, appelle-moi, je vais te répondre. Cherche-moi, je vais te voir pour la dernière fois. Et puis, ça sera la dernière fois. Merci. Sois fort, mon cher. Je n'ai pas de commentaires pour aujourd'hui. Hein. Les femmes sont vraiment compliquées. À... Je me rappelle d'un proverbe africain qui dit... Moi, je coupe la caméra. Les proverbes, pas... coupe, c'est bon. Banuta pas bana basi dans ma vergeture à tempo moi même soir à pémé na kata ma boko boule toujours réveillé ba noir ba mouine na ba genou
Hein, ma mère, beaucoup moins moi, difficulté, là, t'as moins kilo, parce que ma mère, c'est 4-4 jours. Et ça, là, ma nous, tous, elle est au bout de la main.